But if you close your eyes. Abonne-toi, Macoud. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Sujet Plays sur Feed the Beast Infinity Evil Skyblock. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va automatiser le Wither. Pour automatiser le Wither, on va avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, on va avoir besoin d'un EMI Controller. EMI Controller, ça se craft comment? Ça se craft comme ceci. Alors, je n'automatise pas le bloc, le craft, à cause de la Certus Quartz Wrench, hein, bien entendu. Nous aurons besoin de Skystone Block. Skystone Block, on va en avoir besoin de 4. Nous aurons besoin également de Grinder, d'un Mob Grinder, celui-ci de Draconic Evolution. On devrait, à part la Sword, quoique la Sword aussi, on devrait pouvoir la faire assez facilement. Mais il va falloir déjà tuer pas mal de Wither pour ceci. Donc, un EMI Controller. Déjà, avec des processeurs, il nous faut deux engineering processeurs pour faire un EMI Controller. Controller. Voilà, hop, tac. Il nous manque plus que les deux processeurs qui arrivent sous peu. On en a un, on en a deux. Le deuxième, tac. Un EMI Controller. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, comment on va faire notre système? Bien tout simplement grâce à des Formation Core. Nous allons vouloir 7, 8. Il nous en faut 4. Pour le corps, puisqu'il nous faut 4 Soul Sand, et 3 pour les têtes de Wither. Très bien, nous allons donc en faire 7. 7 que nous allons pouvoir utiliser. Ici, dans le coin, là, on va avoir encore d'autres choses intéressantes. Alors là, on va avoir un petit peu de rabiot en termes de... est-ce qu'on peut passer? Oui, on peut passer. Voilà, on va avoir un petit peu de rabiot en termes de système, là. Du coup, on va pouvoir poser ce EMI Controller ici. Et surtout, on va pouvoir faire un truc assez intéressant là-dessus. On va prendre ces Smart Cables, qui se trouvent être là. On va placer ici, comme ceci, en forme de Wither. Tac, tac, tac. Nos petits Smart Cables. Alors... on va avoir, comme je l'avais dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça va nous utiliser quasiment, quasi entièrement notre système. Donc pour ceci, j'aimerais, donc voilà, on a fait quelques améliorations au niveau de tout ce qui va être génération et tout ce qui va être Botania. Des améliorations qui sont naturelles et que j'ai faites à la main, donc pas besoin d'enregistrer. Ici, des Ensure. Histoire de faire un truc sensiblement propre. Une ici, une ici. Parfait. 1, 2, 3. Voilà, très bien. Nous allons donc avoir les Formation Core que nous avions commencé à crafter. Formation Plane, pardon. Pas Core. Formation Core, c'est autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'ici, nous allons mettre... une EMI interface dans la proximité du bousin. Alors, interface, EMI interface, on en veut une. On va vouloir récupérer également de ce qu'on a préparé. On va en vouloir une ou deux. Bon, les smart cables déjà. Ça, on va vouloir un peu plus. On va vouloir également un quartz fiber. Parfait. Et on va vouloir connecter ce EMI Controller à notre système Applied. Alors, vous allez me dire encore, il y a encore 50 personnes qui vont dire « Jette, t'es pas obligé de faire un Power Acceptor, blablabla. » À chaque fois, vous me faites le coup. À chaque fois, je vous réponds d'une façon assez simple. Un EMI Controller n'est pas fait pour convertir l'énergie Applied Energy Sticks. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça procure du lag. Ça procure du lag. Dans le fait que, eh bien, si jamais il est utilisé pour faire tout ceci, s'il est utilisé pour créer, transformer entre guillemets le RF ou le EU en énergie applied, eh bien, il va consommer entre guillemets de la puissance en plus par bloc et puissance par bloc. En général, si jamais il y en a trop, ça fait du lag. Donc autant séparer ça quand c'est possible. Là, on le fait venir directement avec de l'énergie applied Energy Sticks. Donc,
C'est pas lui qui convertit. Donc c'est très bien comme ça et il faut rien toucher de plus. Donc ici, nous allons placer ceci. Nous allons avoir des formation plane. Nous allons récupérer des Wither Skeleton Skull. Alors 1, 2, 3. 3 Wither Skeleton Skull. Nous allons avoir du Soul Sand. 1, 2, 3, 4. Et nous allons apprendre à notre système que toi, tu places du Soul Sand, toi, tu places du Soul Sand, et toi, tu places du Wither Skeleton Skull. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer tout ceci dans notre système Applied Energy Sticks pour le moment. Tac, 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 tac. Voilà, parfait. Ok, Smart Cable, on n'en a pas besoin de tout ça. On va juste récupérer une Memory Card, notre Band of... off mana parce que ça sert à rien de générer de l'aura dans le vent. On va faire un shift clic droit sur celui qui est déjà enregistré. Et si vous voyez il n'est pas enregistré, on fait un simple clic gauche, un simple clic droit, il est enregistré. Donc grâce à ceci, on va pouvoir enregistrer le placement. Donc là, tout est bien placé. Si jamais je lui fournissais tout, il saurait que eh bien ici on peut mettre des trucs, à d'autres endroits on peut mettre d'autres choses. Et du coup, il chercherait à les placer. Donc, ce qu'on va vouloir, ça va être assez simplement, ça va être de placer à l'intérieur de ce système, grâce à une MMI interface, grâce aussi à un import bus, qui va être relativement nécessaire pour tout ceci. Nous allons vouloir placer à l'intérieur de tout ceci, dans un chest également. Nous allons vouloir placer, eh bien, nos petits objets. Nos petits objets, comment on va vouloir les placer ? On va vouloir les placer en lui disant déjà de récupérer l'Omni-Range, parce que ça va être utile de pouvoir virer quand même des... Hop, des trucs. Ici, on va placer notre interface, comme ça lui récupère l'énergie, c'est très bien. Ici, on va placer notre import bus, non, pas notre import bus ici. Ici, on va placer le chest. L'import bus va venir ici. Le smart cable va venir ici. Et toi, tu vas te tourner vers le bas. Parfait. Donc lui va exporter les objets à l'intérieur de ce chest. Ce chest va contenir donc la Soul Sand ainsi que les Wither Skeleton Skulls nécessaires au craft. Lui va importer dans le système. Seulement, dans le monde magique de Applied Energistics, ça a besoin d'être d'un objet. Ça a besoin d'être importé. Ça ne peut pas les piquer dans un coffre ou autre pour le placer normalement. Du coup, ça, à chaque fois qu'on va importer un Soul Sand, ça va placer un Soul Sand. Puis, à chaque fois qu'on va importer un Wither Skeleton Skulls, ça va passer un Wither Skeleton Skulls. Donc, il va falloir lui dire, eh bien écoute, tu nous poses 4 Soul Sand, puis 3 Wither Skeleton Skulls, puisqu'il faut terminer par les Wither Skeleton Skulls pour que ça marche. Donc, on va lui dire ça comme ça, on va lui dire Soul Sand. On va lui dire Soul Sand, on va lui dire 1, 2, 3, 4. Alors, non, pas comme ça. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Parfait. On va lui dire du Wither Skeleton Skull. On va lui dire 1, 2, 3. Parfait. Et on va lui dire que grâce à ceci, il va avoir une Wither Star. Une Nether Star, pardon. Nether Star. Parfait. Tu en obtiens une si tu places tout ceci comme ça. Parfait. Une Nether Star. Maintenant, lui, on va lui dire dans cette interface-là que ça marche comme ça. Maintenant, testons. Si jamais je lui disais je veux une Nether Star. J'ai une Nether Star, j'en veux une deuxième. Start. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va exporter tout à l'intérieur de ce chest. Ce chest va exporter tout à l'intérieur ici. Et va placer morceau par morceau notre truc. Et va spawner un Wither. Parfait. Ce Wither, il est spawné. Il est spawné, mais c'est pas terminé. Parce que maintenant il va falloir le tuer, ce Wither. Alors, le tuer, ça risque d'être relativement simple avec une arme, mais sans arme c'est un peu la merde. Sans arme ça risque d'être un peu la merde. C'est pour ça que l'on va partir sur le mob grinder de base de le mob grinder de Draconic Evolution. Pourquoi? Parce que l'autre grinder ne tue pas le Wither Skeleton tout simplement. Le mob grinder lui va le faire. Du coup, on se retrouve dès que j'ai crafté le mob grinder. Et à tout de suite. Chose qui pourrait vous être sympathique à savoir comment automatiser, on va automatiser assez simplement les
petites, eh bien tout simplement les petits Wyvern Corn. Wyvern Corn. Core, voilà, Wyvern Energy Core. C'est tout simplement 7200 Destabilized Redstone sur un Wyvern Corn, qui est tout simplement 4 Draconic Core autour d'une Nether Star avec un Vibrant, une Flux Electrum Ingot, un Mana Steel et un Tomium. Eh bien tout simplement, comment faire sans se prendre la tête et sans se prendre le melon. Ici, un Gold Chest. Ici, une Emmy Interface. Comme ceci, voilà. D'ailleurs, le gold chest, il doit venir par ici. Le gold chest, l'AMI interface une AMI interface pendant que Madame Canard est en train de me faire n'importe quoi avec son téléphone et que du coup, c'est en train d'enregistrer et qu'elle est complètement à l'ouest. Item duct. 1, 2, pneumatique cerveau. Ah non, c'est des retrievers, pardon. Retriever. 1, 2. Alors, ici. 1, 2. Voilà, parfait. Donc, toi, tu acceptes par l'arrière et tu renvoies sur le côté. Non, tu acceptes par l'arrière. Non, tu acceptes par l'arrière et tu renvoies sur le côté. Voilà, très bien. Donc lui, il va accepter quoi? Il va accepter ici la redstone. Et lui, il va accepter quoi? Il va accepter les corps, les Wyvern Core. Wyvern Core. C'est des Wyvern Core, oui, c'est tout à fait ça. Voilà, Wyvern Core. Ah bah très bien, il ne veut pas. Wyvern Core, ça tombe bien, on en a un qui traîne. Toi, tu whitelist les Wyvern Corn. Toi, tu whitelist la redstone. Toi, c'est la redstone que tu whitelist. Non, tu le whitelist, s'il te plaît. Merci. Puis, d'ici, on va tout simplement prendre les item duct. Tac, tac, tac. Alors, pas obligé d'être dans l'un ou dans l'autre. Hein. On va surtout essayer de rester dans le même. Ce serait déjà bien. Petit test, c'est bon, ça exporte bien. Toi, tu vas m'exporter avec un petit cerveau. Resonant, pourquoi pas, écoutez, tant qu'à faire. Et bah, tu vas m'exporter ce qui en découle. Et ce qui en découle, ça va être quoi? Ça va être ici, sans enlevure. Ah ouais, Event Core. Avec 64 plus 8, puisqu'il nous en faut 72. Voilà, 64 plus 8 redstone. On prend tout ça, on le met là-dedans. On peut le mettre directement dans le chest, comme ça au moins, hein, bien. On verra si tout se passe bien. Bon, vraiment, hein, c'est pas la première fois qu'on le fait, donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Hop, ici, ici, et ici. Toi, tu nous crames tout. Tu nous colles tout là-dedans. Alors lui, c'est en resonant. Il est en resonant et il n'a aucune augment. Ok, très bien. On va lui coller les augment. Alors, on va vouloir celle-ci. On va vouloir celle-ci. Et on va vouloir la troisième aussi, si tu le veux bien. Parfait. Ça va aller déjà un peu plus vite. Voilà, ça va un peu plus vite. Bon, ça bouffe toute l'énergie, mais ça va un peu plus vite. Augment... On va lui mettre la troisième. Enfin, en même temps, on l'a pas encore relié à l'électricité. Hein. C'est pour ça que ça pompe à fond. Mais au moins, ça devrait être bon. Je pense que ça devrait être bon. Ouh, il nous en manque deux. Ok. Il nous en manque deux. Bon, c'est pas grave. Rien n'est grave. À part la mort et l'accent. Alors... Resonant. Ici. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, c'est relié. Et du coup, on va en profiter, tiens, d'ailleurs. Plutôt que de faire n'importe quoi, là, avec les câbles en haut, qui ressemblent à rien. On va casser ça. Casser ça. On va venir ici. Et on va le faire redescendre comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Under the ground, comme diraient les franglish. Tac,
ici, tac, on est bon, la cobble, elle revient là, on essaie de remonter par quelque part, ici, s'il te plaît, je veux remonter, merci, hop, toi, on te récupère, toi, tu vas waitlister uniquement ça, donc tu vas nous récupérer uniquement ça, ce qui va éviter de récupérer si ça ne l'est pas. Là, il va le récupérer normalement. Normalement, il le récupère. Normalement. Là, il va y avoir un Energy Core. Tu vas le récupérer, oui, ça bête. Wyvern Energy Core. J'aurais aimé que tu me le récupères. À la limite, on va le faire passer par en dessous. Ce n'est pas si grave que ça. Il y a des gens qui sont morts pour moins que ça, mais ce n'est pas si grave que ça. Résonance cerveau. Whitelist, whitelist, whitelist. On va aller vers l'Energy Core. Tu me le pompes ou tu me le pompes pas, toi? Bon, on va en recrafter un autre. On va en recrafter un autre. Toi, c'est ça. Tac. Tac. Dans... ici. Alors, on va y arriver. Ici, dans cette MI interface là, qui va diriger du coup vers le chest. Parfait, nous allons lui dire, eh bien, tu peux me crafter ça comme ceci. Wyvern Energy Core 1 Next. Ah, il gueule pas. J'étais certain qu'il allait nous manquer une... la petite... comment dire, la petite Nether Star des familles. En fait, non, ça va. 1, 2, 3, parfait. Donc lui, il envoie Irox, il défonce tout. T'as une fois que tu te transformes, tu te fais pomper direct. Et je ne veux plus te voir là-dedans. Attention. Et bim, il est rentré là-dedans. Vérifions si... le craft est bien terminé selon lui, c'est parfait. Wyvern Corn, Wyvern Core, pas Corn, il est là-dedans, c'est terminé, c'est très bien comme ça. Donc le Wyvern Corn, Core, on va y arriver, est enfin terminé. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on a le Mob Grinder qui se situe ici et qui du coup lui va nous tuer, nous auto-spawner la mort. Du petit canard et la mort du petit Wither surtout. Alors, essayons de le relier à de l'énergie dans le coin. Même si je doute, sincèrement, je doute et je floute que l'on ait de l'énergie dans le coin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une deuxième fonction. Alors, non, c'est pas cette fonction-là que je vais utiliser. Je vais utiliser une autre fonction, des petits tunnels P2P. Les petits tunnels P2P qui ont comme deuxième fonction bien sympathique de pouvoir transférer énormément de choses. Par exemple, on peut transférer de la lumière, on peut transférer via le P2P de la lumière, on peut transférer des objets, on peut transférer des liquides, on peut transférer beaucoup de choses. Et nous, ce qu'on va vouloir, ça va être transférer ici de la... alors, attendez voir, il faut que j'arrive à retrouver Flux Duct, je crois que ça se fait avec du Leadstone. Du RF, voilà. Et maintenant, on a un P2P tunnel qui est classé en RF, puisque 99% du temps, on les faisait en ME. Et oui, bien entendu, puisqu'on était sur du Applied, donc on les transférait en MI, mais là, on va les transférer en RF. Donc, toi, P2P tunnel, tu n'es plus un ME, tu es un RF, parfait. Toi, tu vas te connecter ici, parfait. Et maintenant, Device Missing Channel, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as un côté de MI Controller juste pour toi. Quand même. Quand même. Cette memory card, on enregistre ici. On retourne ici. On charge ici. Tac. Device Missing Channel. Oui, bah le temps qu'il se retrouve en fait, c'est surtout ça le problème. Puis, eh bien, il nous suffira, voilà, Device Online, il nous suffira de venir ici avec du Resonant Flux Duct et de placer un truc, et là, on voit que ça se remplit. Et là, c'est nickel, parce que du coup, on fait passer notre énergie à travers le réseau Applied,
ce qui nous évite de tirer des câbles dans tous les sens. On n'a qu'un seul câble à passer. Et on est censé être sensiblement tranquille. Donc là, c'est bon. Normalement, toi, tu es chargé. Normalement, tu es chargé, toi. Normalement, tu es chargé. Est-ce que tu fais face au bon côté? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que tu as un côté pour commencer? Je pense que oui. Faisons spawner un Wither. Histoire de savoir. Un Nether Star. 1, 2, 1. Start. Voyons voir. Si ce n'est pas le bon côté, il suffira juste de le retourner. Je ne pense pas. Je pense que c'est l'inverse en fait. Ouais, ça doit être ça. Regardez là, on a un rayon. J'ai l'impression qu'on a un rayon et du coup, c'est pas le bon sens. Ouais, c'est pas le bon sens. Alors non, justement, je ne veux pas de ce côté-là. Attends, Wither, je vais t'embêter deux petites secondes, c'est pour que tu puisses mourir. Merci. Voilà. Du coup, le Wither est mort. Il nous a donné bien gentiment sa petite contribution. C'est-à-dire sa Wither Star. Et maintenant, on a automatisé nos Nether Stars de façon simple, gentille et belle. Et belle, tout simplement. Puisque notre mob grinder, là, a quand même une assez bonne portée. Je veux dire, si on regarde... Alors, ici, comme ça... Non, non, pas toi. Pas tant. Voilà. Allez, c'était pas avec ça, c'était avec la... La wrench. Qu'on pouvait voir ça. Comme ça. Ça a quand même une assez bonne portée. Hein. On pourrait augmenter un petit peu le... Le coin. Ça tue quand même assez bien. Donc... Les enfants, c'était Shad. On va se quitter là-dessus après un dernier test, simplement pour voir si tout se passe bien. Wither Skeleton, est-ce que tu as bien récupéré ta Nether Star? Oui, Nether Star, recraft-nous en une, s'il te plaît. Next, start. Parfait, c'est parti. Là, ça pose tout. Très bien. On pourrait essayer d'automatiser un petit peu plus, d'accélérer un peu plus le truc. Mais j'ai peur que ça se pose mal, en fait. C'est ça, le problème. J'ai peur que le Wither se pose mal, en fait. Tac, et bim, il est mort. Direct, dès qu'il a spawn. Du coup, il va falloir ici que l'on fasse un truc. Juste avant, du coup, on va pas se quitter dans l'instant. On va se quitter dans l'instant juste après. Il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on fasse le transfert node de l'extrême. Le transfert node de l'extrême, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un transfert node de base avec un World Interaction Upgrade qui va nous permettre de récupérer, eh bien, tout simplement, tout ce qui traîne ici. Alors, on va le poser plutôt ici, ce transfert node de l'extrême. Ça m'arrangerait. On bougera ici le... On le bougera ici, le truc. Le câble, parce qu'on va avoir besoin de la place direct en dessous. Voilà, tac, tac. Ici, ça, on le casse. Voilà. Et 1, 2, non, bon, allez, 1, devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant. 2 World Interaction Upgrade. Alors, World Interaction Upgrade, on va en vouloir 2. Pourquoi est-ce qu'on va en vouloir 2 et pourquoi pas juste 1? Et quel secret se cache sous le voile de la mariée? Eh bien, tout simplement, on va en vouloir 2, parce que ici, on va vouloir chercher à un bloc en plus de ronde. Un World Interaction Upgrade, ça signifie que l'on cherche sur du 1 par 1, 1 sur 1. Deux World Interaction Upgrade signifie que l'on cherche du 3 sur 3. On rajoute un bloc en plus. Par exemple, si on en avait 3, ce serait du 5 sur 5. Et donc, du coup, on va chercher du 3 sur 3, on va chercher sur toute la surface ici, les drops, que ce petit Wither Skeleton va nous... Enfin, ce petit Wither va nous laisser tomber. Voilà. Donc, ici, toi, on va te dégager. Tac, tu vas nous faire un petit passage comme ceci, comme ceci, comme ceci, ce que c'est beau. Transfer node. Transfer pipe plutôt que node. Très bien. Transfer pipe. Tac. Toi, tu viens là. Tu viens là, et lui, on va l'envoyer direct dans l'interface, comme ceci, comme ceci, comme ceci.
Et voilà. On va lui coller des petits speed upgrades, histoire qu'il se paume pas en chemin. Toi, tu es jaune, blanc, pardon, pas jaune. Blanc, blanc. Voilà, blanc, blanc, blanc. Et là, de toute manière, il va avoir du mal à mettre dans le Resonant Flux Duct quand même. Donc, en théorie, lui va récupérer tout ce qui est à l'intérieur. On va speed un petit peu plus tout ça. Normalement, il a dû avoir une Nether Star qui est là. Le problème, c'est que ça va être extrêmement long. Donc, on va lui rajouter des speed upgrades. On va lui en mettre 32. Ça devrait être suffisant du coup niveau vitesse pour atteindre le coffre assez vite. Enfin en tout cas l'interface. Parfait. Toi tu as terminé ton craft. Ok. Nether Star, on va lancer une. Nether Star, une s'il te plaît. Next. Merde, allez. Nether Star. Nether Star. Je sais pas pourquoi mon T a du mal. Next. Start. Voyons voir si tout se passe bien. Et en train de poser des trucs. C'est bon, le Wither est spawné. Le Wither est spawné. Le Wither est vivant, le Wither est mort. Et je crois que la Nether Star est bien arrivée à bon port. Parfait. Parfait, la Nether Star est arrivée à bon port, c'est tout ce qui importe. Et c'est tout ce que l'on veut voir. Donc les enfants, c'était Chad. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve demain pour encore plus d'automatisation. Certainement, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Demain, on va tenter d'automatiser. Alors, pas l'Ender Dragon. Mais on va tenter de voir. On pourrait automatiser un peu mieux le Wither. En tout cas, faire un Wither différent, ce serait sympa. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on fasse un peu plus de Botania. Il faut qu'on fasse un peu plus de trucs. Et là, oui, c'est de l'expérience. Surtout, j'aimerais qu'on avance un peu plus dans Draconic Evolution. Voilà. Mais déjà, rien que d'avoir automatisé les Nether Stars, c'est quand même plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, les enfants, on se quitte. C'était Shad. Des bisous. À très très bientôt. Minecraft style. Minecraft style. Digging Minecraft style.